Eh bien, bonjour à tous pour l'épisode 6 sur le chapitre 6 de Portal 2. On avance, alors à mon avis, ouais, je vais plutôt aller là-bas. Je pense que là-bas, ça m'a l'air un peu cool. Oui. Hop, allez, un peu de parcours. À la Assassin's Creed ou Mirror Edge, hein, c'est pas comme vous voulez. Ah, je crois qu'il faut aller là-bas. Moi, je veux deux plateformes, j'y vais direct. Ok, est-ce que j'ai moyen d'aller au-dessus? Comme ça, ok. Hop, on descend. Alors, ici, c'est là où on vient. Donc, à mon avis, il faut aller là-bas. On va là-bas. Je connais pas le chemin, hein. Je vais vraiment au pif, mais ça a l'air assez intuitif. Là. Là. Ah, j'allais dire. Hop, voilà. Oui, peut-être là-bas. Ok, par là. Ah, ça m'a l'air d'être le bon chemin. Keep out. Do not enter. Ah, c'est vachement rassurant, mais bon. Ok, est-ce que je peux pas ouvrir une porte? Ah, un portail là. Et est-ce que je peux pas à travers ça? Oh, si, je dois pouvoir, attendez. Attendez, je suis sûr qu'il y a moyen. Ah, là-haut, regardez. Ouah, fallait le voir celui-là. Hein. Fou. Ok, on descend. Hop. Encore un autre portail. Un portail ici. Là, c'est là d'où on vient. Donc j'imagine qu'il faut aller. Ah non, regardez. C'est là les portes. Pardon, pardon, pardon. C'est là-bas. Ok, on continue. Tac. Eh, vachement rassurant les messages, hein. On est dans les tréfonds d'Aperture Science. Donc là, je pense qu'on peut pas tomber plus bas. Hein, là, sinon, c'est le centre de la Terre. Ok. Oh, elle est grosse cette porte. 1, 2. Comment ça, 1, 2? Ok. Là, je peux générer. Oh, écoutez, on va aller là-bas parce que je pense que. Attendez, on va aller voir ce qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ok, je peux pas rentrer ici. C'est pareil de l'autre côté, j'imagine. Donc là, on va mettre un truc ici. 4, 3. Oh, regardez! Ok. Si je mets. Attendez. Là, peut-être? Et si je mets un truc là? Faut appuyer en même temps. Attendez, je crois que j'ai compris. Regardez, hop. Eh bah oui, c'était ça. Ok. Ouverture des portes. Eh ben, deux petits boutons pour une si grosse ouverture de porte. Comment je fais pour rentrer? Je ne sais pas. Attendez, on va retourner là-bas. Ah bah voilà. Simplement. Ah bah oui, là, regardez, les portes se sont ouvertes. Donc on pouvait. Ah, regardez l'escroquerie. Une immense ouverture de porte pour une, au final, une toute petite porte d'entrée. Non mais c'est abusé. C'est abusé. Une grosse entrée pour un tout petit trou. Alors je crois que je commence à me rappeler des mécaniques qu'il y a après. Ça me dit quelque chose. Juste des mécaniques, hein. Bon là on va aller là-bas. On va bien observer parce que ça a l'air grand. On va regarder au-dessus. Là, là, rien. Ok. Ça. Ouais, ok. Ça on va pouvoir aller là-dessus.
Non. Là, on peut pas en poser. Ok. Ah, attendez, je vois une porte là. Attendez, est-ce qu'on peut pas... On va vérifier qu'on voit rien là-haut. Non. Oh, peut-être qu'on va devoir sauter. Sauter pour aller là, peut-être? Je peux pas aller là-bas? Non. On va continuer. Alors là, je vois une porte. Attendez. Attendez. Oh bah tout simple. Allez hop. D'accord. Ah! Cage Johnson. Si vous êtes là, c'est parce que nous voulons que les meilleurs, en l'occurrence, vous. Êtes-vous pas servi à la science? Moi? Caroline, c'est qui ça, Caroline? Vous avez eu le temps de faire connaissance dans la limousine. C'est donc à moi de me présenter. Je m'appelle Cave Johnson. C'est moi le proprio. D'Aperture Science. C'est la divine Caroline, mon assistante. Bien entendu, elle a transféré vos horaires à l'organisation caritative de votre choix. Pas vrai, Caroline? Bien sûr, monsieur Johnson. Celle se sent austère. Et elle est mignonne comme un cœur en plus. Désolé, messieurs, elle est mariée à la science. Là, je sens qu'on va devoir sauter. Oh, regardez, moi je vois un endroit là-bas. Et alors, moi, vous savez, j'ai une vieille habitude due à Portal 1 et quand j'avais joué au Portal 2, c'est que je m'en rappelle d'un truc. Quand vous voyez un plan incliné comme ça, il y a toujours quelque chose à faire. Et comme là, il y en a au sol, je vous propose de tout simplement. Voilà. Parfait. Donc, on a rencontré deux personnages. Je ne peux pas tous les superviser. Du coup, okay. Ces messages préenregistrés sont là pour répondre à toutes vos questions. D'accord. Et à tout accident qui pourrait avoir lieu dans le cadre de votre aventure scientifique. Les tests qui vous sont attribués dépendent essentiellement de la façon dont vous avez plié le monde à votre volonté. Mm-hmm. Les sujets affectés au test du gel répulsif suivent la ligne bleue sur le sol. Gel les sujets répulsif. Volontaires pour recevoir de l'ADN de menthe religieuse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test. Ah, bah c'est là où on était. Combattre une armée d'hommes mentes. Prenez une arme et suivez la ligne jaune. Vous saurez quand le test commence. Bon, bon, on a avancé au final. Mente religieuse? Ok. Bah non, merci. J'ai pas envie qu'on m'implante de l'ADN de mente religieuse. Donc j'en vois pas tellement l'intérêt à part de manger notre mari. Parce que les mentes religieuses mangent leur mari, mais. Non, je vois pas trop l'intérêt. Donc on a rencontré deux personnages, Cave Johnson, qui est le propriétaire d'Aperture Science, et Caroline, qui est un peu la secrétaire, voilà. On entend le bon gros misogyne derrière. Hein. Ok, là on va pouvoir mettre un truc. Et là on peut descendre. Ok. Oh, ça c'est un truc assez lancé, ça. Mais pour aller où? Oh, attendez, attendez, attendez. Là-bas. Ah, regardez, il faut aller là-bas. Mais comment je fais pour aller là-bas? Attendez, on va essayer d'aller là-bas déjà. On va voir ce que ça donne. Oula. Attendez, je vais bien le mettre parce que là j'ai peur de tomber. Voilà, comme ça. Pour information, pendant tout le prochain test, vous serez irradié par un supraconducteur à plein régime. Pour être honnête, c'est vraiment histoire de voir ce que ça va donner, sans doute rien. Au mieux, regardez ça vous donnera peut-être des super pouvoirs. Oh. Au pire, 2-3 tumeurs qu'on pourra toujours virer. Ah, regardez, je pense qu'on peut aller là-bas. Parce que, regardez, c'est une porte de sortie, c'est on a l'habitude d'appuyer. Là-bas, je vois pas de... Je vois pas de passerelle, parce que là, j'en vois une. Et là, regardez, elle est pile poil alignée là-bas. Alors, moi, j'ai une idée. Regardez, ici, je pense qu'il y a une plateforme où on peut s'élancer. Parce que là, si on regarde en dessous, là, rien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va retourner là-bas. Parce qu'on n'est pas descendu. Regardez, ici, on peut descendre. Alors si je descends, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est une cage d'ascenseur, hein, faut pas oublier. Donc logiquement, voilà. C'est ça que je voulais en venir. Ok. On va mettre un petit truc ici. Et là, ça va être le saut de l'ange. YOLO! Ouai! Ok. Bah, c'est good. Oui. Ok, il me faut juste une plateforme pour pouvoir y monter. Ah, attendez. Ok.
Ah bah non, en fait j'avais pas besoin. Mais c'est ça active quoi cette pompe? Ah là on va pas pouvoir passer, donc j'avais raison, fallait bien monter. Ok, faut monter. On va aller là-bas. Ah regardez, là on va retourner, là on pouvait, voilà. On dit que la science est bâtie sur les épaules des. Et là regardez, c'est là où on était tout à l'heure. J'ai aperçu notre chance par vous rappelez, on a sauté les pour aller vélo, jusque là. Pour les gamins. Oula, il est rouillé celui-là. Regardez comment il est rouillé. On voit que c'est les anciens enregistrements et les anciens tests du propriétaire. Hein. Donc on est peut-être dans une phase un peu primitive. Mais on progresse, on progresse. Allez, c'est parti. Oh, oh mes yeux. Sûr, je cite les gars du labo, un gel répulsif. D'accord. À propos, vous ne faites pas partie du groupe témoin. C'est bien le gel. La dernière fois, le type avait eu de la peinture bleue. Ah ouais, je m'en rappelle, regardez. C'est vrai, c'est boum, tous les os des gens. C'est pour sauter. Tragique, mais très utile. Enfin, il paraît. Ok. Alors, le gel. Ok, ça c'est pour ouvrir. Il nous faut un cube. Cube, où es-tu? De tomber de là-bas. Ah, il y a le bouton ici. Ok. En fait, le gel reprend le principe de Newton. Ça veut dire que si je saute comme ça, j'ai remonté à la même hauteur. Vous voyez? Donc, je perds pas de vélocité. Donc, une fois que je saute à une certaine hauteur, je saute comme ça à l'infini. Allez, on passe par là. On repasse en haut. Ok. Vous avez vu? Même le cube, il est vieillot. Et là, j'ai plus qu'à repasser par là. Hop. Les gars du labo m'ont fait savoir que je n'aurais pas dû parler du groupe témoin. En disant que je devrais arrêter ces messages préenregistrés. Du coup, ça m'a donné une idée. On enregistrait encore plus. C'est moi qui paie les factures, donc si je veux parler du groupe témoin, eh ben j'en parle. Bah vas-y, je t'en prie. Casse pas les webos. Ok, on peut pas passer par là. Mauvais chemin. Passe de l'autre côté. Pas de problème. Bah go. Pour le prochain test, on a mis des nanoparticules dans le gel. En gros, un milliard de minuscules machins vont passer dans votre flux sanguin pour bombarder hein vos tumeurs de gènes expérimentaux. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans le cas où vous n'aviez pas de tumeur, n'ayez crainte. Si vous vous êtes assis sur une chaise pliante à l'accueil sans porter de sous-vêtements blindés, c'est maintenant le cas. Pour l'instant c'est pas trop difficile, mais c'est pour nous apprendre un peu la mécanique en fait. Oh ouais, je vois, ça va pas être compliqué ça. Regardez, hop. Hop, voilà. Ok, ah, je vois, regardez. Youp. Ah ça j'adore. Ah j'adore. Et là, bon... Bon, je pourrais redescendre, mais bon, allez, on va redescendre quand même. Mais j'aurais pu aussi refaire le chemin inverse, mais bon. Voilà, et là, bah, j'ai plus qu'à faire ça. Hop. À faire ça. Et là, j'boum. Eh oui, je vous ai dit que ça garde ah, la vitesse, si la vélocité. En contact avec le gel répulsif. Voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. Pourquoi ? On n'a pas encore tout à fait classifié cet élément. Mais on sait une chose, c'est vivant et ça n'aime pas du tout le squelette humain. C'est vivant ? Le gel répulsif est vivant et ça n'aime pas les humains ? Ah, c'est peut-être pour ça en fait que ça nous repousse. Ah, c'était pour ça, comme ça n'aime pas le squelette humain, ça nous repousse en mode je veux pas de toi comme des aimants en gros. Impossible. Hein? À propos, toutes ces sphères sont faites d'amiante. Ça protège d'amiante. Si jamais vous êtes victime d'essoufflement, de toux sèche, mais c'est cancérigène. Avertissez-nous immédiatement parce que ça ne fait pas partie du test.
Bonne nouvelle. Les gars du labo disent que l'empoisonnement à l'amiante a un taux d'incubation moyen de 44,6 ans. Donc, si vous avez plus de 30 ans, tout va bien. Au pire, vous perdrez quelques parties de bridge. Si on y réfléchit bien, c'est pas cher payé. Ah, on peut monter ici. De 3 siècles. On va essayer de monter le plus haut. Là, je vois un truc blanc, là. Hop. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Ici, je peux aller. Voyons voir. Hop. Vous me plaisez bien. Ok. Vous inventez vos propres règles, comme moi. On m'a dit que je pouvais pas virer quelqu'un parce qu'il était en chaise roulante. Rien n'affiche. Ok. C'est... Ah non, je vais devoir en mettre là. Simplement. Vas-y. Ah. Oh. Ah d'accord. Oh. Exit. Faut aller là-bas. Oh, je vois bien un truc. Attendez. On peut tout repeindre, c'est marrant. Je repeins un peu parce que j'ai des petites idées là, hein. On va un peu tenter des trucs. Voilà, là je pense que je peux sauter. Ok, ça c'est bon. On va devoir sauter par là. Mais à mon avis on n'aura pas assez de longueur. J'ai peut-être une idée, regardez, si on passe un truc comme ça et comme ça, qu'est-ce que ça donne? Yes, ça passe à travers. Ah oui, c'est du rebond sur du rebond. Oh. Oh, alors attendez. Ah, je dois peut-être en mettre ici par contre. On va essayer de remettre ici. Hop. Eh ouais, mais comme je vous ai dit, ça garde la vélocité, mais il faut bien entrer par contre. Hop. Hop. Oh, pire, je peux tomber. Tout simple, regardez. Si je fais ça, ça, hop. Bah oui, tout simple. Pour information, le café que nous avons offert contenait du calcium fluorescent pour nous aider à suivre votre activité cérébrale. D'accord. Il est possible, quoique peu probable, que le calcium vitrifie votre lobe frontal. Surtout, n'y pensez pas trop. C'est justement en visualisant ce cas de figure que le processus se déclenche. C'est bizarre comme il parle comme ça. On voit en fait qu'il en a rien à faire de, des humains quoi. On est juste des cobayes. À partir du moment où on a signé pour faire des expériences, rien à faire. Si vous faites partie du groupe témoin Kepler 7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule micropuce de la taille d'une c'est carte quoi, postale. Ça vous avez sûrement oublié. Prends une petite douche. Mais si elle se met à vibrer et à sonner pendant le prochain test. Avertissez-nous, ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés et qu'on doit vous la retirer à rapidos. Ah oh, je sais. Attendez. On va voir ce qu'il y a là par contre. Voilà, et là si j'appuie là. Ah ça le coupe. Ah oh, d'accord. Ok, tout simple. Franchement, il panique pour arrière. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Oh, vélocité. Attendez, je si crois qu'il y a un truc de vélocité là. Vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, okay. Laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous comme pour oh, vous. J'ai compris. Regardez, on va aller là-haut. Je crois que j'ai compris. On va aller là-haut. Et là, on va sauter. En mettant un portail là, il va faire boum boum. Regardez, hop. Regardez, boum boum. Nickel. Là, on peut reprendre du bleu si on veut. On va continuer à monter. Là, je vois un truc. Oui. Oh. 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 Attendez.
car je sais qu'on peut reprendre du bleu ici. Hop. Si je fais ça. Yes. Oh, j'adore repeindre. Ok, j'en place un là. Ok. J'en place un là. Ok. Mais je suis censé aller où? Là-haut? Est-ce que je peux tomber, genre... Est-ce que je peux placer une plateforme pour tomber de haut? Je pense que c'est possible par là. Si je fais ça et que je fais ça, hop, je bim, bim. Ok, c'était bien ça. Là, je peux mettre une plateforme. Alors là, je crois que c'est de là où je viens. Ok. Wait, faut aller où? Là-bas? Ok, mais comment je vais là-bas? Ah, attendez, quoique. Ok, d'accord, fallait pas s'embrouiller pour un rien. Alors ça, je m'en rappelle parce que j'avais aidé un ami pour ça. Donc je sais ce qu'il faut faire, regardez. J'avais aidé un ami pour cette énigme, donc je m'en rappelle que le cube pouvait briser des verres comme ça en mode... Voilà, en mode... D'accord. On continue. Tac. Allez, hop, on va bien le mettre. Est-ce que je peux aller là-haut? Bah écoutez, on va ranger ça. Hein. Attendez. Et je veux du bleu ici. Oui, d'accord. Mais encore. Ouais, c'est exit. Mais si je peux pas en placer, ça fait quoi? Oui. Bleu là, peut-être? Ah, ok, d'accord, j'ai compris. C'est le cube en fait qui retient la plateforme. Faut que le cube il vire. Donc on va lui remettre du bleu pour qu'il vire, regardez. Bon, si ça arrive à l'atteindre. Hein. Bon, tu l'atteins ou... Ou quoi? Attendez, on va bien le mettre. Bah si, on a déjà plomb, on a déjà mis du bleu sur le cube, donc ça devrait être ça normalement. Attendez, je vais le mettre au bord comme ça. Et là, si je fais bleu. Ah bah en fait j'aurais pu au-dessus. Oh je suis bête. Bon désolé. Désolé. Désolé, je commence à être fatigué. Si vous avez tellement peur de vous mouiller, mettez des couches et retournez au jardin d'enfant. En tout cas, vous êtes viré. Non, pas vous, le cobaye. Oui, vous, vos clics, vos claques, casse départ. Ne touchez pas 20 000 francs, ciao. Oh là, on est déjà à 24 minutes de vidéo. Ce chapitre est long. Ce chapitre est long. Ou c'est moi qui suis un peu plus long pour résoudre les énigmes, c'est possible aussi. Hein. Mais la map elle est beaucoup plus grande maintenant. Félicitations. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez vaillamment contribué au progrès scientifique. En tant que fondateur et directeur d'Aperture Science,
Je vous remercie pour votre participation et j'espère que nous pourrons compter sur vous pour d'autres tests. On n'a pas l'intention de commercialiser ça avant d'avoir tout bien peaufiné. Donc, tant que vous garderez une forme optimale, il y aura toujours une limousine qui vous attendra. Un truc là. Dites bye bye Caroline. Bye bye Caroline. Une perle cette fille. Je vous jure, elle est conne comme ses pieds. Désolé. Désolé, c'est un peu trash, mais... oui, bonjour. Non. Ah, on va pouvoir sauter, ok. Et sauter pour aller où? Oh, je crois que j'ai deviné, regardez, ça va être beau. On va faire... Hop. Et là... Orange! Oui, c'est bon. Ouais. Ah, c'était de l'autre côté? Non. Ah, c'est pour ouvrir ça, ok. Good. Good enough. Ah, et là, je peux passer par là, ok. Good. Wow, que c'est grand. Ah, je vois un truc en haut. Déjà, ça, c'est good. Et là... Ah, je peux aller là. Bah, je peux aller là aussi. Mes hommages. Je suis Kev Johnson, directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe aérospatiale de 1968. Et vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions, ou les vils plagiats de concurrents sans scrupules. Ah, faut aller là-bas. Et ça, c'est à toi que je pense. Le test, monsieur. Bref, vous vous demandez peut-être, Kev, en quoi consistent ces tests? Que contenait cette énorme pavée que j'ai signée? Est-ce que je cours un danger? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner $60? Cash. Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente, qui est nettement plus confortable que les bancs sur lesquels vous dormiez quand on vous a trouvé. Bref, bienvenue chez Aperture. Si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence vous. Non, c'est abusé, là. C'est gentil de ne pas saloper les vitres, d'accord? Tant qu'à faire, ne touchez que ce qui a trait au test. Ce sera mieux comme ça. Ok, il n'y a rien. Faut aller là? Non. Control room, faut aller là-bas? Attendez. Est-ce que faudrait pas... Ah, j'ai peut-être une idée, attendez. Attendez, attendez. Je crois que j'ai une idée. Stop. Ah oui, oh, ça... Regardez. Ah oui, la porte est là. Oh, c'est ça, là. Attendez. Hop, on va faire ça. Bien sûr, si je me fail, merci Alexis. Je me suis fail, rassurez-vous, tout va bien. Hop. Hop. YOLO. Voilà. Ah, j'ai mal. Ouh, c'est passé. Tiens, bonjour. Oh. Vous êtes une meurtrière compétente. Pourriez-vous... Oh, merci. Vous avez senti, cette idée n'a aucune idée de ce qu'il fabrique. Si une certaine personne n'arrive pas à le débrancher... 29 minutes de vidéo, les gens. Elle va être longue. Moi, je suis immobile. Et à moins de vous couper la tête pour la placer dans mon ancien corps, vous aurez besoin de moi pour le remplacer. Nous sommes dans une impasse. Alors, que dites-vous de ça? Transportez-moi jusqu'à lui, remettez-moi dans mon corps, j'évite que tout le monde explose et je vous relâche. N'essaie pas de vous berner, cette patate. Oula. Ah bah voilà. J'avais raison. Regardez, on va refaire le truc de tout à l'heure maintenant. Beaucoup. Je crois que je l'ai arrêté au bon moment parce qu'elle commençait à s'énerver. Hein. Apparemment, elle peut pas trop réfléchir, sinon la patate elle cuit. Ah, chapitre 7 après 29 minutes de vidéo. Eh bien, écoutez, ceci marque la fin du 6e épisode, donc sur le chapitre 6 de Portal 2. Je vous dis à la prochaine pour cette ascension avec GLaDOS, et je sens que Kate Johnson et Caroline vont nous apprendre des trucs. Je sens qu'il y a un dénouement, il y a quelque chose. Allez,
À bientôt les amis, ciao ciao!